Bonjour et bienvenue dans cet exercice du programme 66 Vacances, un programme d'entraînement pour être en forme et avoir les formes pendant vos vacances. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme et commencer depuis le début, eh bien cliquez simplement sur le lien situé sous la vidéo. Voici notre exercice. Dans cet exercice, je vous propose une course sur les genoux. Si, c'est possible. On vient se mettre sur les genoux, on aligne genoux, hanches, épaules, et vous allez essayer de décoller vos pieds du sol, d'être juste en équilibre sur les genoux. Alors moi, je suis un petit peu dans le sable ici, c'est vrai que c'est facile. Si vous êtes sur un sol un peu plus dur, vous êtes un petit peu plus déséquilibré, c'est normal. On serre la ceinture, trois crans, on engage le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On va prendre une position de course au niveau des bras, et on va courir au niveau des bras, en essayant de garder les pieds décollés du sol. On essaye ça, je lance le chrono, on se place, prêt, 3, 2, 1, allez, c'est parti. On décolle les pieds du sol, on essaye de maintenir l'équilibre, on vient se placer en position de course au niveau des bras, et on commence à bouger au niveau des bras, on amène les coudes vers l'avant, vers l'arrière, en essayant de garder les pieds, bien sûr, décollés du sol. Imaginez que vous avez un livre sur la tête, essayez de vous grandir. On pousse ce livre sur la tête, on pousse la tête vers le haut, on cherche l'auto-grandissement. Toujours en maintenant un bon gainage au niveau du centre du corps. Allez, on commence à accélérer un petit peu au niveau des bras, on y met un tout petit peu plus de rythme et on essaye que ça ne se déhanche pas, que ça ne bouge pas au niveau du bassin. Le regard loin devant, allez, on serre un peu plus la sangle abdominale, le plancher pelvien. Hop, le périnée. Allez, c'est parti. On accélère, on prend une bonne petite course. Allez, au niveau du chrono, il nous reste 15 secondes. On accélère encore. Allez, on maintient les pieds toujours décollés. On maintient la posture. Serrez la taille. On accélère encore si tout va bien. Allez, on sprint pour les derniers mètres. Allez, allez, encore. Allez, quelques mètres. 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Cliquez maintenant sur une des petites vignettes pour poursuivre votre entraînement. Donc choisissez soit un exercice cardio, soit un exercice de renforcement musculaire ou alors un exercice pour le centre du corps. Avant de passer à l'exercice suivant, pensez à me donner un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet exercice. Je vous dis à tout de suite.